Le dialogue interreligieux, pour moi, est une nécessité capitale. Et dans un pays comme le Niger, à 98% musulmans, la cohabitation pacifique nous permet, nous-mêmes en tant que chrétiens, d'évangéliser. Et nous cohabitons, nous collaborons avec les musulmans, les leaders comme les jeunes. Et cette année, à Pâques, j'ai été très content de la présence des leaders musulmans à l'église pour nous souhaiter la bonne fête. Et après les événements des 16 et 17 janvier, nous avons reconstruit ce dialogue et nous continuons à collaborer. Et cette année même à Pâques, j'ai célébré dans la joie et dans la paix avec plus de 500 baptêmes. Et cela montre que la vision continue et nous restons fermes dans notre foi en collaborant et en dialoguant avec nos frères musulmans.